soyez le bienvenu encore ce soir dans la présence des dieux. Accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Tu feras il fera Dieu capable de faire ce qui dit il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il agira, oh, il agira. Ce qu'il a dit, il fera dans ma vie. Dieu, capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Je garde la foi en Dieu, il ne m'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Si tu le crois, dis j'aime Jésus. Dis j'aime Jésus. Oh, 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 il fera, oh, il fera. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus est Seigneur, sois le bienvenu, toi qui nous rejoins. Partage cette vidéo, partage ce direct à la gloire de l'Éternel. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Que Jésus est Seigneur. Il est le roi du roi, le prince de paix. Oh, le tout-puissant. Il règne à jamais. Alléluia. Oh, 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 il fera. Pendant que l'homme de Dieu, Henri, est en train de nous rejoindre, bien-aimé, partage le direct. Partage ces instants. Alléluia. Alléluia. Il fera. Il fera ce qu'il a dit dans ma vie. Oh, il fera, oh, il
différent. Rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible, tout est possible. Si tu crois, il fera, il fera, oh il fera. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La persévérance. Merci Jésus. La persévérance. Merci nous poussera à obtenir. Merci Seigneur, nous croyons de tout cœur. Alléluia. Nous croyons de tout cœur. Alléluia. Notre force, nous contrôlons de toutes choses. Alléluia. Nous croyons de tout cœur, Seigneur. Alléluia. Nous croyons de tout cœur, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux faire. Il n'y a que toi, Seigneur. Ce que tu fais est différent. Alléluia. Ce que l'homme peut faire. Ce que tu dis est différent de ce que l'homme dit. Alléluia. Ce que tu réalises est incomparable, Alléluia. Seigneur. Tu peux faire encore, Seigneur. Tu peux parler encore, Alléluia. Seigneur. Tu peux réaliser encore, Alléluia. Seigneur. Tu peux donner encore, Seigneur. Amen. Tu peux encore, Seigneur, soutenir. Tu peux encore transformer. Alléluia. Tu peux encore restaurer. Alléluia. Tu peux encore transformer une vie. Alléluia. Tu peux encore ouvrir des portes, Seigneur. Alléluia. Tu peux encore ouvrir, Seigneur, des situations. Tu peux encore, Seigneur, restaurer. Alléluia. Tu peux encore, Seigneur, bouleverser le monde par ta parole. Alléluia. Tu peux encore, Seigneur, transformer des situations qui étaient impossibles à nos yeux, Alléluia. Les rendre possibles. Alléluia. Seigneur, je sais que tu peux encore. Tu peux encore, Seigneur, changer encore. La vie de cette personne. Alléluia. Changer la vie de ma soeur. Alléluia. Changer la vie de mon frère. Changer Alléluia. La vie de mon bien-aimé. Alléluia. Changer cette situation. Alléluia. Seigneur, je sais une chose, que tu peux encore. Tu peux encore, Seigneur, me parler à nouveau. Alléluia. Tu peux encore, Seigneur, m'appeler à nouveau. Amen. Tu peux encore, Seigneur, me guérir à nouveau. Tu peux encore, Seigneur, car rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible au Dieu de la vérité. Rien n'est impossible au Dieu de la justice. Rien n'est impossible au Dieu de gloire. Rien n'est impossible, Seigneur, devant toi. Alléluia. Même l'eau n'était pas une situation compliquée devant Alléluia. Toi. Même le feu n'était pas une situation compliquée devant toi. Toute situation qui était compliquée, Seigneur, toute chose qui était compliquée devant les Alléluia. Hommes, devant toi, Seigneur, oh, est facile. Seigneur, devant rien toi, n'est impossible oh Seigneur, à est possible. Toi, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Rien n'est impossible Alléluia. À toi. Abba, oh, acclame l'Éternel Jésus. Là où tu es. Jésus, acclame l'Éternel là où acclame. Tu es. Acclamons Alléluia. Dieu. Acclamons Alléluia, Dieu, Alléluia. Sa miséricorde dure à toujours. Alléluia, amen. Sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Sa bonté dure à toujours. Alléluia. Sa bonté Alléluia. Dure à toujours. Amen, amen. Le Dieu des grâces, le Dieu des miséricordes. Alléluia. Est-ce que tu crois à cela? Il fait et il agit encore. Alléluia. Il agit encore. Et encore. Il agit encore. Alléluia. C'est lui qui donne encore la vie aux ossements desséchés. Il a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise. Prophétise. La prophétie vient là où c'est impossible. Alléluia. La prophétie vient là où l'intelligence humaine est limitée. Alléluia. Là où la connaissance de l'homme est limitée. Alléluia. C'est là où la prophétie vient. Alléluia. Ce soir, nous avons besoin de Alléluia. La prophétie. Alléluia. Nous avons besoin de la prophétie. Oh Jésus. Nous avons besoin de la prophétie. Alléluia. Et la prophétie vient, bien aimé, pour changer les choses. Vient pour transformer les choses. Alléluia. Le Dieu qui dit dans le dernier temps, Joël chapitre 2, verset 28, dans le dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Prophétiseront. Dit, je suis le prophète Alléluia, de ma vie. Je suis le prophète de ma je vie. Je suis le prophète de je ma suis famille. Le prophète de ma famille. Je suis le prophète de je ma suis nation. Le prophète de ma nation. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand l'esprit descend, les choses sont différentes. Alléluia. Les choses sont différentes. Transformé. Alléluia. Il transforme tout. Toutes choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh. Merci Jésus. Nous avons un Dieu qui répond à des questions impossibles. Alléluia. Nous avons un Dieu qui répond à ce que l'homme ne peut imaginer. Alléluia. À ce que l'homme ne peut plus penser. Alléluia. À ce que l'homme ne peut plus imaginer.
Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, serviteur de Dieu Henri, oui, quelle est la parole de Dieu cet après-midi, ce soir? Alléluia. Amen. Donc ce soir, bien-aimé, nous sommes là pour dire encore que tout est possible. Amen. À celui qui croit. Amen. Et Dieu est une chose que notre Dieu pourvoira lui-même. Amen. Le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Le Dieu qui pourvoit dans chaque situation qui se présente devant nous. Même quand il te manque quelque chose. Même quand tu es limité. Même quand tu n'en peux plus. Amen. Même quand tu te poses des questions. Même quand tu te dis c'est terminé pour toi. La course s'arrête là pour toi. Amen. Mais lui, il vient. Il vient souffler. Il vient pourvoir. Il vient donner la force, il vient donner sens à ta situation, Amen. À ta vie, Amen. À ton problème. Il vient résoudre cela. Alléluia. Et ce soir, c'est ce Dieu-là que nous sommes en train de parler. Alléluia. C'est vers lui que nous élevons la voix. C'est vers lui que nous venons prier. C'est vers lui que nous venons encore parler. C'est vers lui. Pour dire au peuple que lui-même il pourvoira sur ta situation. L'homme ne peut rien faire. L'homme ne peut pas pourvoir. L'homme ne peut pas prévoir même des choses. Mais Dieu pourvoit, Dieu sait toutes choses. Amen. Un homme est incapable de connaître tes pensées. Mais Dieu est capable de connaître les pensées, même qui sont au profond de ton cœur. Dieu est capable de connaître les pensées qui sont cachées même sous la terre. Dieu est capable de connaître les pensées qui sont cachées dans la vie d'un homme. Alléluia. Voilà, ce soir encore bien-aimé, souvenez-vous, la parole nous dit dans Genèse que Abraham avait son fils Isaac. Ils étaient là, ils allaient vers la montagne, bien-aimé, pour le sacrifice. Il y avait serviteur de Dieu à côté d'Abraham. Il y avait aussi des serviteurs. Mais arrivé un moment, Abraham a dit aux serviteurs de rester un peu là. Vous restez là, en bas de la montagne. Il y a certaines situations, bien-aimés, tu es obligé de laisser cela en bas de la montagne. Si tu veux que Dieu pourvoie, laisse certaines personnes en bas de la montagne. Mais toi, le concerné, la personne en question qui est touchée, la personne en question qui est limitée, tu dois monter, tu dois monter, tu dois monter jusqu'au sommet de la montagne. Amen. Amen. Souvent, nous n'arrivons pas à monter jusqu'au sommet. On n'arrive même pas à la moitié de la montagne. On est déjà fatigué. Non, bien-aimé, Abraham était avec son fils Isaac. La Bible dit, ils ont pris le chemin, ils sont partis. Ils ont soulevé le bois. Ils avaient le feu, ils avaient le couteau. Ils ont monté, arrivé au sommet. Et Isaac pose la question, papa, nous avons tout. On a tout, mais il nous manque quelque chose. Comment on va faire ce sacrifice? Mais avec quoi on va faire ce sacrifice? Man. Comment on peut vivre? Comment on peut faire? On n'a plus rien. Oh, serviteur de Dieu Alain. On n'a plus rien. Il n'y a plus de carburant. Il n'y a plus l'argent. Il n'y a plus de moyens. Comment on peut faire? Comment on peut faire dans cette situation? Comment on peut faire? Tout est arrêté. Comment on ne travaille plus. On ne voit plus les choses. On avait des projets. Mais tout est arrêté. Comment on peut faire? Bien-aimé, c'est là maintenant. C'est là maintenant quand Dieu se limite, c'est quand l'homme se limite, pardon, Dieu commence maintenant à travailler. Il y a un certain temps, frères et sœurs, il faut que ton intelligence se limite. Amen. Il faut que ta connaissance se limite. Il faut que ton orgueil se limite. Il faut que tu te limites pour que Dieu commence maintenant à te montrer qui il est réellement dans ta vie. Alléluia. Tant que tu ne te sens pas limité, bien-aimé, Dieu ne pourra pas t'utiliser comme il veut. Alléluia. Parce que tu crois que tu as tout. Parce que tu crois que tu es complet. Mais Abraham avait tout. Mais il était limité. Alléluia. Tu dois te limiter en raisonnement pour que Dieu commence maintenant à t'utiliser. Tu dois te limiter, bien-aimé, en toutes choses. Là où on dit, oh, cette personne est brisée. C'est une personne qui était orgueilleuse. Voilà. Mais devant la situation, tout le monde peut lui marcher dessus. Tout le monde peut s'amuser avec la personne. L'écraser. Tu te sens impuissant. C'est là maintenant. Il y a un homme le plus fort. Il se révèle. Il se lève. Dieu. Wow. Hein? Wow. Mon Dieu pourvoira. Alléluia. Alléluia. C'est invité de Dieu là. Mon Dieu pourvoira. Mon Dieu pourvoira. Tant que toi tu peux encore, ça veut dire que Dieu ne peut pas intervenir. Dieu intervient. Lorsque on a tout essayé, lorsqu'on a frappé, voilà pourquoi il dit dans le livre de Matthieu 7, dans le chapitre 7, il dit, je crois à partir du 5-6, il dit, cherchez, hein, cherchez, vous allez trouver, frappez, on vous ouvrira, Alléluia. Demandez, on vous donnera. Alléluia.
Donc, ça veut dire quoi? On ne cherche pas quelque chose qui est à la vue de tout le monde. C'est ça. On ne cherche pas quelque chose qui est visible. On cherche quelque chose qui est invisible. Alors, il y a des situations où la solution devient invisible. Au microscope, c'est invisible. Le médecin examine tout le corps, mais c'est invisible. Invisible. On va à gauche, à droite, invisible. Alléluia. Alors c'est en ce moment qu'on commence à chercher. Mais maintenant, pour chercher, il faut déjà savoir dans quelle direction y aller. Parce que on peut bien avoir la force, on peut être motivé à chercher, bien-aimé. Mais il faut savoir dans quelle direction. C'est ça. Dans quelle direction. C'est alors que l'Esprit de Dieu intervient. C'est là que l'Esprit de Dieu intervient, bien-aimé. Voilà pourquoi nous avons besoin de connaître le Dieu véritable. Parce que quand tu connais Dieu, il va te dire, au lieu de perdre une heure du temps, deux heures de temps, aller d'abord à droite, revenir à gauche, aller devant, en arrière, et puis te rendre compte que c'était juste à côté. Alléluia. Bien-aimé, quand on a Dieu, quand on a l'Esprit de Dieu, quand on se dit, ben, j'ai tout fait, je n'en peux plus, je m'abandonne à Dieu, les choses vont aller rapides. Mais aussi longtemps qu'on va encore résister, aussi longtemps qu'on va s'appuyer sur notre force, bien-aimé, on va toujours se fatiguer. Alléluia. On va toujours se fatiguer. Oh Jésus. On va toujours se fatiguer. Voilà, nous revenons à ce que l'homme de Dieu a parlé sur Abraham et son fils Isaac. Ils vont offrir un sacrifice. Mais lorsqu'ils arrivent à la montagne, ils vont laisser les serviteurs. Il dit, vous restez ici. Moi et les fils, nous allons monter. Nous allons offrir les sacrifices. Ensuite, nous allons revenir. Tu sais, bien-aimé, il y a certaines choses que tu fais, tu échoues. Pourquoi? Parce que tu associes tout le monde. Tu associes tout le monde. Ta situation, tu en parles à tout le monde. Tu en parles à tout le monde. Alléluia. Vous savez, imaginez que Abraham montait avec les serviteurs. Et que, arrivé là, les serviteurs observaient la scène. Comment il voulait égorger son fils. C'est terrible. Quelle image, quelle pensée, quel raisonnement pouvaient avoir ces serviteurs. Ils pouvaient se dire, mais on ne savait pas que notre maître, c'est un cannibale. C'est un charlatan. C'est un sorcier. C'est un méchant. Donc, s'il commence déjà à sacrifier son propre fils, donc ça veut dire que prochainement, ça sera mort. Donc, ils auraient pris la fuite. Bien sûr. Soit ils se seraient jetés déjà sur leur maître. Bien sûr. Pour dire, mais lui, il est déjà vieux, il va mourir bientôt. Sauvons peut-être les jeunes. Peut-être lui, il va se souvenir de nous. De nous, oui. Il va nous donner beaucoup de biens. Il va dire, non, mais eux, là, ils m'ont sauvé la vie. Voilà. Il y a des choses, des fois nous échouons. Pourquoi? Parce que nous allons avec tout le monde. Nous allons avec tout le monde. Nous allons avec tout le monde. Bien aimé, il y a des situations où même ta femme doit être à côté, doit être restée au bas de la montagne. Alléluia. Il y a des situations où même ton ami intime doit rester au bas de la montagne. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on monte à la montagne, bien aimé. La parole de Dieu nous dit encore que Jésus, il avait 12 disciples. Mais il avait fait aussi un trio. Bien sûr. Parmi les 12, il avait choisi encore. Mais bien au-delà des 12 que nous connaissons, il n'avait pas que 12. Mais les 12, c'était les 12 officiels. Officiels, c'est ça. Mais il en avait plus. Tous ceux qui les suivaient, c'était des disciples. Tous ceux qui les suivaient. Mais parmi les disciples, il y a aussi des disciples. Il a choisi. Et parmi les 12, il y avait encore un autre petit groupe. Il y avait encore un autre petit groupe. Alors, bien-aimé, dans toute situation, sache restreindre déjà. Sache déjà limiter. Limiter. Chez nous, on dit ceci. Quand tu vas à la chasse, on ne va pas avec les gens qui font beaucoup de bruit. On ne va pas avec les gens qui ont peur. Sinon, il va entendre, sentir l'animal, tout ça. Il va avoir peur, il va s'agiter, il va faire fuir tous les animaux. Et on va rentrer affamé. C'est ça. À cause d'un peureux. Voilà, bien-aimé. Un peureux, c'est qui? C'est quelqu'un qui n'a pas le même niveau de foi que toi. Abraham devait accomplir une mission impossible. Jacques Boé. Mission impossible. Mission impossible. Il devait accomplir cette mission, bien-aimé.
Mais il ne devait pas amener tout le monde. Il ne devait pas amener tout le monde. Dieu est capable de faire l'impossible. Alléluia. Mais toi aussi, apprends à faire l'impossible, à faire des sacrifices, à dire des fois non, les sentiments, je laisse de côté. Je laisse de côté. Je vais partir seulement avec telle personne. Alléluia. C'est ma situation, je vais en parler seulement à telle personne. Je vais en parler à telle personne. Alléluia. Abraham avait le fils, il avait aussi les serviteurs. Et Jésus nous dit, il ne fait rien si ce n'est ce que le Père lui a révélé. Un véritable fils a confiance à son Père. À son Père. Un véritable fils ne peut pas trahir son Père. Un véritable fils, il peut bien aimer, à un moment donné se rebeller. Il peut à un moment donné être un enfant prodigue, mais un jour, il va revenir. À la maison. Un véritable enfant. Il reviendra toujours. Et un véritable père a confiance à son fils. Alléluia. Mais le serviteur, oh bien-aimé, un serviteur, il part, il revient, il part. Mais le fils, il dit, mais où irai-je? C'est chez moi. Chez moi, à la maison. C'est chez moi. C'est chez moi. Abraham avait confiance à son fils. Alléluia. Comme Jésus avait confiance au Père. Avait confiance au Père. Alléluia. Voilà, bien-aimé, il faut que tu saches nettoyer déjà. Tu saches déjà choisir avec qui monter, avec qui t'avancer plus haut, bien-aimé. Tu dois faire la pyramide, tu dois faire une montagne. Alléluia. Et même la montagne, vous voyez, ça fait même la forme. La forme. On est nombreux en bas, mais plus on monte, plus on monte, ça diminue. Plus on monte, ça diminue. Plus on monte, ça diminue. Jésus dit, c'est lui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix. Alléluia. Il y a certaines personnes, tu vas les porter, tu vas aller avec eux, c'est eux qui vont devenir une charge pour toi. Alors que toi-même, tu cherches à te décharger. Chacun pour soi. Alléluia. Voilà, bien-aimé, ce soir, c'est un peu spécial. Partagez le direct, faites des séances vidéo. Bien-aimé, ce soir, nous sommes en train de parler. Mon Dieu pourvoira. Bien-aimé, lui seul qui pourvoit lorsque on est limité. Ce soir, bien-aimé, nous sommes en train de parler d'un homme, Abraham. Abraham est parti avec son fils, mais il a dit une chose à ses serviteurs, serviteurs de Dieu, Alain. Il a dit une chose, il a dit, vous, attendez-nous ici, moi et l'enfant, nous allons adorer et nous allons y revenir. Pendant que lui-même, il savait que Dieu lui avait demandé l'enfant sacrifice. Vous voyez, quelle est la foi de cet homme? Quel est le courage que cet homme avait? Il dit, restez, nous allons adorer et revenir avec l'enfant. Mais voilà. Pendant ce temps-là, dans son cœur, il savait qu'il est parti pour sacrifier l'enfant. Bien-aimé, ce soir, il faut comprendre le langage de Dieu. Alléluia. Il faut comprendre le langage d'un homme de foi. Alléluia. Il faut comprendre le langage d'un homme qui a la révélation. Comprendre le langage d'un homme qui connaît son Père. Amen. Abraham connaissait qui il a demandé le sacrifice, qui l'a appelé, qui l'a choisi. Abraham savait. Et il a parlé ce langage, il a dit, nous allons y revenir. Nous allons revenir. Oui. Le but, ce n'est pas partir, de disparaître, mais c'est de revenir. Amen. Est revenu. Effectivement, le fils est revenu avec son père. Amen. Parce que Dieu a la place. Dieu a donné autre chose. Alléluia. Dieu a donné autre chose. Il a pourvu l'animal qu'il fallait pour que cet animal soit sacrifié. Au lieu que ce soit un homme, il y a eu l'animal. C'est Alléluia. Dieu lui-même qui est parti sacrifier. Alléluia. Bien-aimé, imagine-toi là où tu es. La situation que tu as demandé à Dieu, Dieu débloque, mais Dieu te réclame encore la même situation, la même chose. Dans notre époque, avec cette crise, le temps de pandémie, quelle serait notre réaction aujourd'hui? Est-ce qu'on sera prêt de donner? Est-ce qu'on va même répondre à l'appel ou on va fuir l'appel? Mais Abraham a accepté. Il a dit, oh, avant que je puisse avoir le fils, je l'avais entendu. Amen. Je l'ai écouté. Amen. Je l'avais obéi. Amen. J'ai fait ce qu'il m'avait demandé. Amen. Aujourd'hui, j'ai le fils. Je ne peux pas refuser. Amen. Je peux que le suivre. Amen. Je peux qu'entendre sa voix et aller vers lui. J'ai confiance. Alléluia. Je sais une chose, que moi et mon fils, nous allons revenir. Alléluia. Oh. Moi et mon fils, nous allons revenir. Oh. Ah oui, bien-aimé. On t'a dit, ta maladie, oh, c'est fini, Alléluia. C'est terminé, c'est ceci. Mais Dieu dit, malgré ta maladie, on ne t'inquiète pas, Alléluia. Tu seras en bonne santé. Amen. Tu seras guéri, Alléluia. Tu seras restauré, Alléluia. Tu seras encore rempli. Amen. Rempli.
rempli alléluia. Oh, des grâces de feu, de puissance. Amen. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, bien-aimé, ne perds plus espoir. Ne perds plus espoir. Amen. Toi qui étais abattu, fatigué, alléluia. Toi qui n'en pouvais plus, bien-aimé, ne perds plus cela. Amen. Ressaisis-toi. Fais confiance à ton Dieu. Alléluia. Fais confiance à celui qui t'a appelé. Alléluia. De celui qui t'a demandé. De celui qui t'a créé. Alléluia. Il est capable. Amen. Il est capable. Amen. De changer ta situation. Alléluia. De pouvoir de te donner la santé qu'il alléluia. Te faut. De donner la force qu'il te faut. Amen. De te donner tout ce que tu as besoin. Amen. Ce soir, fais-lui confiance. Peut-être tu as demandé ce qui était dur, un morceau qui était dur, une chose qui était compliquée. Mais sache-le, bien-aimé, il est capable de te restaurer, Amen. De te restituer Amen. Ce qu'il t'a demandé. Amen. Et ce qu'il a fait à Abraham, ce qu'il a fait, le Dieu qui rend toutes choses possibles. Là où c'était impossible, il le rend possible. C'est cela que nous sommes en train de parler ce soir. Ce soir, c'est un peu spécial, bien-aimés. Soyez tous bénis. Amen. Soyez tous bénis au Amen. Nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, acclame le Seigneur là où tu es. Alléluia. Acclame le Seigneur là où Jésus. Tu es. Jésus dit, celui qui voudra perdre sa vie à cause de moi la retrouvera. Alléluia. Amen. Mais celui qui voudra gagner sa vie par ses propres moyens la perdra. Abraham a sacrifié son honneur. Abraham a sacrifié sa dignité. Alléluia. Abraham a fait totalement confiance. Et d'ailleurs, c'est à partir de cela que Abraham fut appelé juste. C'est ça. C'est à partir de cet acte-là d'avoir confiance, une confiance aveugle. Alléluia. C'est à partir de cet acte que Abraham fut considéré comme juste. Alléluia. Il fut considéré comme juste. Oh, et Jésus. On le classe parmi les héros de la foi, les pères de la foi. Quand nous allons dans le livre des Hébreux, on nous en parle, bien-aimés. Alors, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu es encore cette personne qui se dit, mais si je fais ceci, si je m'humilie, les gens vont dire comme ça. Qu'est-ce que les gens vont penser? Bien-aimés, tout le monde peut faire des erreurs. Mais si tu sais te relever tôt, si tu sais reconnaître tôt, si Alléluia. Tu sais dire non, j'ai mal agi, je me ressaisis, Alléluia. Je change de direction, je change de position, l'Éternel va changer ta Alléluia. Situation. Des fois, tu veux rester sur la même situation. Non, si les gens me verront. Les gens, et alors? On ne vit pas par rapport aux hommes. Je vis par rapport à moi et mon Dieu. Alléluia. Ah, ma femme va dire ceci. Non. Mon mari va dire ceci. Non. Mes enfants vont dire ceci. Alléluia. Bien-aimé, oh, que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Alléluia. Plutôt craindre Dieu, plutôt qu'obéir aux hommes. Alléluia. Plutôt qu'obéir à mon orgueil. Plutôt qu'obéir, bien-aimé, à mon orgueil. Oh, Jésus. Que Dieu nous délivre ce soir de l'orgueil. Que Dieu nous délivre ce soir de la honte. De nos fiertés. De notre fierté. De nos bénédictions. Parce que tu es béni. Alléluia. Abraham était content lorsqu'il a vu son fils naître, Isaac. Il était content. Mais voilà, par la suite, Dieu réclame. Bien-aimé, Dieu a réclamé ce qu'il avait donné. Il a réclamé. Il voulait encore montre à cet homme jusqu'à tel point qu'il est Dieu. Mais cet homme n'a pas fait l'orgueil. Amen. Il s'est humilié. Amen. Il a obéi. Bien-aimé, mais aujourd'hui, nous, dans nos orgueils, on doit résister. On peut même refuser. Vous savez, c'est aujourd'hui, pendant que l'homme de Dieu parlait, on dit Nicodème. Ah ouais. Docteur de la loi, je suis docteur, je ne peux pas aller la journée. Si mon copain me voit, ils vont se moquer de moi. Amen. Si un homme me voit, ils vont me critiquer. Si c'est si, ils vont parler de moi. Mais qu'est-ce que je fais? Je vais aller vers la nuit. J'ai choisi la nuit, là où personne ne me verra. Peut-être ma femme sera en train de dormir. Elle ne saura pas. Je vais aller en cachette voir Jésus et lui poser des questions. Amen. Des tant de questions Amen. Qui Amen. Bouillonnent dans Amen. Mon cœur. Amen. Bien-aimé, peut-être tu étais Nicodème. Laisse l'orgueil de côté. Approche-toi devant le Seigneur. Oh, alléluia. Serviteur de Dieu, pendant que tu parles de Nicodème, nous sommes en train de voir toujours cette étape de savoir choisir avec qui avancer, avec qui t'approcher. Pour Abraham, c'était le bas de la montagne. Mais Nicodème,
Le bas de la montagne, c'était où? La nuit. La nuit. C'était le secret. Bien-aimé, toi aussi choisis le bas de la montagne où tu vas laisser les autres. Les autres, aller chercher la solution. Demande à Dieu qui te montre. Peut-être toi, c'est la nuit. Mm. Peut-être c'est le secret. Peut-être c'est le secret. Mm. Tu dois laisser d'autres au bas de la montagne. Mm. Tu dois laisser les autres au bas de la montagne. Alléluia. Vous savez, le Seigneur était capable de libérer même Pierre. Mm. De ne pas céder à la peur. Mm. De ne pas céder à la peur. La tentation qui est arrivée à Pierre, et Pierre a renié le maître 3 fois. Mm. Mais le Seigneur le savait. Mm. Pourquoi ne l'a-t-il pas enlevé? Mm. Parce qu'il savait que Pierre était capable. Mm. Parce qu'il avait déjà prouvé de quoi il était capable. Alléluia. Lorsqu'il est venu arrêter Jésus, il a sorti le couteau. Mm. Il n'a pas hésité à couper l'oreille. Avec l'épée. Alléluia. Alors il fallait que le Seigneur fasse cette situation, permette au diable, que le diable puisse tenter Pierre. Mm. Pour que Pierre se sente à un moment donné dans la culpabilité. Comme ça, il ne va pas avancer plus loin. Mm. Parce que Pierre était capable même d'aller faire un massacre pour Jésus. Alléluia. Alors le Seigneur ne voulait pas cela. Mm. Il ne voulait pas que quelqu'un meure pour lui, alors que lui, il est venu mourir pour les autres. Alléluia. Il est venu mourir pour les autres. Il est venu mourir pour les autres. Il ne pouvait pas permettre que Pierre puisse mourir avant lui. Alléluia. Pierre puisse mourir avant lui parce que Pierre avait la promesse. C'est Pierre qui devait continuer la mission. Alléluia. Alors le Seigneur a permis cette situation. Mm. Le Seigneur a permis cette situation. Alléluia. Que le Seigneur t'aide à trouver la stratégie. Mm. Mais le but pour toi, c'est d'arriver au sommet de la montagne. Alléluia. C'est d'arriver au sommet de la montagne. Mm, au lieu du sacrifice. C'est d'arriver au sommet de la montagne. Le lieu que Dieu t'a indiqué. Alléluia. L'endroit que Dieu t'a dit. Mm. Dieu ne t'a pas dit à gauche ni à droite. Mm. Va précisément là où Dieu t'a dit, là où Dieu t'a montré. Amen. Souvent, on est éparpillé. Mm. Oh, il m'a dit à gauche, oh, à droite, à l'ouest, tu ne sais plus. Non, bien-aimé, il faut bien bloquer l'endroit que Dieu t'a montré. Alléluia. Soyez tous bénis ce soir. Soyez bénis. Partagez la vidéo, partagez. Nous sommes là pour un temps de prière. Un temps de feu, un temps de prière, bien-aimé. Likez la vidéo, likez, mettez de j'aime. Partagez, likez la vidéo. Des séances vidéo. Mm. Oh, ce soir, bien-aimé, Dieu est capable. Il peut faire au-delà de ce que tu attends. Amen. Il peut réaliser au-delà de ce que les hommes attendent. Amen. Mais ne doute pas. Alléluia. Toi, obéis à sa parole. Écoute les instructions qu'il te donne. Écoute ce qu'il te dit. Et toi, avance vers lui. Alléluia. Fais ce qu'il te demande. Va jusqu'à la montagne. Alléluia. Même si c'est dur, mais monte. Monte. Quand tu redescendras de la montagne, tu ne seras plus la même personne. Quand tu redescendras de la montagne, ta situation sera transformée, changée. Amen. Quand tu redescendras de la montagne, ton nom va être transformé. Mm. Les hommes ne vont plus te reconnaître. Amen. Ils ne vont plus te reconnaître. Mm. Tu vas être comme Moïse. Mm. Lorsque Moïse redescendait de la montagne, oh, son visage rayonnait. Amen. Ça brillait. Amen. Personne ne pouvait le regarder en face. Amen. Il y avait une transformation totale. Il y avait une transformation totale. Totale. Abraham est redescendu transformé. Ils sont redescendus transformés parce que Dieu les a touchés. Dieu a fait de grandes choses. Cela demande de mettre de côté nos forces, nos orgueils, nos capacités, Amen. Nos propres désirs, de le mettre de côté et de faire ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Dieu te dit, comme il a dit à Abraham, comme nous parlons de lui, quitte ta patrie. Il dit, quitte, va dans le lieu où je t'ai montré, quitte ta patrie. Tu dois quitter certaines choses. Amen. Tu dois te séparer et laisser tous ceux qui te suivent en bas de la montagne. Amen. Parce que là où on fait l'adoration, l'adoration n'est pas collective. L'adoration n'est pas, oh bien-aimé, en groupe. Entre dans ta chambre, dans c'est le personnel. Secret. Dans c'est le personnel. Secret. C'est que Dieu avait dit à Abraham. Il n'a pas dit aux serviteurs. Il n'a pas dit à tout le monde. Il n'a pas dit ça à toute la communauté. C'était personnel. Amen. Et c'est lui seul savait l'endroit précis. Le lieu Dieu avait indiqué. Lui seul le savait. Amen. Voilà, bien-aimé. Toi seul, tu sais ce qui se passe dans ta vie. Amen.
Tu sais ce qui se passe dans ta famille. Mm. Tu sais ce qui se passe tout autour de toi, dans ton corps. Mm. Tu sais ce qui se passe et tu sais ce que tu as besoin. Mm. Tu sais de qui tu as besoin. Amen. Quelle aide tu as besoin. Amen. Quel sacrifice tu as besoin. Amen. Tu le sais. Mm. Peut-être moi, je ne le sais pas. L'homme de Dieu ne le sait pas. Mm. Mais toi, tu le sais. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, tu dois avancer vers lui. Alléluia. Tu veux qu'il rende ton nom grand. Tu veux que ton nom change, ta situation change, mais avance vers le Seigneur. Amen. Il changera ta situation et il te bénira. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Bien-aimé, pendant que nous y sommes encore, toi qui es là et qui as un sujet de prière, écris-le nous. Alléluia. Et nous allons prier avec toi. Nous allons prier avec toi. Peut-être tu connais déjà la montagne, tu connais déjà l'endroit, mais tu n'arrives pas. Parfois tu marches mais tu n'arrives pas. Mais nous voulons monter avec toi. Alléluia. Nous voulons être comme Aaron et Hur qui ont pris la pierre pour poser en bas de Moïse. Afin qu'il accomplisse sa mission. Afin Alléluia. Qu'il arrive jusqu'à la fin. Et que Josué puisse remporter la victoire. Alléluia. Peut-être ta famille traverse des combats tout le temps. Ta famille traverse des combats tout le temps. Mais tu as besoin de soutien. Parfois, tu es seul à combattre. Tu es seul à lutter dans l'esprit. À tel point que tu es des fois découragé. Tu dis, mais je suis seul. Je suis seul. Peut-être tu te crois que tu es seul. Non. Il y a quelqu'un d'autre qui est comme un Josué. Lui, il est en train de combattre sur le terrain. Peut-être toi, tu n'as pas les difficultés. Toi, tu n'as pas ces combats. Mais tu sens cela. Tu portes ce poids. Alors, nous voulons prier avec toi. Alléluia. Si tu es là, bien-aimé, écris ton sujet. Écris ton sujet. Nous allons prier avec toi. Alléluia. Le Dieu des temps des vrais adorateurs est là. Il est là et il agit encore. Encore. Alléluia. Il agit encore. Alléluia. 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 Oh Seigneur, manifeste-toi. Alléluia. Manifeste-toi, manifeste-toi. Manifeste-toi, manifeste-toi. Amen. Alléluia. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La présence de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Alléluia. Pendant que bien-aimé nous adorons, pendant que l'homme de Dieu nous amène dans un cantique. Alléluia. Écris ton sujet là où tu es. Alléluia. Écris ton sujet ce soir. Alléluia. Dieu de puissance, Dieu d'autorité, de grâce, Alléluia. Va se manifester ce soir dans ta vie. Il va encore faire Alléluia. Des grandes choses pour toi, pour moi. Pour nous, nous qui sommes son Alléluia. Peuple, oh, qu'il se manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, ce soir, oh, nous prions pour tous ceux qui sont malades. Seigneur, ce soir, nous prions pour tous ceux qui passent des moments difficiles. Seigneur, ce soir, nos prières s'adressent envers des familles, Seigneur, qui vivent dans des conflits, dans le désordre. Seigneur, ce soir, nous élevons la voix Alléluia. Vers des maisons, Seigneur, qui sont perdues. Vers des enfants qui sont perdus. Ils sont perdus. Vers des serviteurs qui sont perdus. Perdus. Seigneur. Seigneur, lève-toi, mon Ils Dieu. Sont Papa, lève-toi Papa. Comme un héros. Lève-toi, Seigneur. Seigneur, étends ta main vers nous. Lève-toi, Seigneur. Accorde, Seigneur, mon Dieu, la victoire. Seigneur. Accorde, Seigneur, mon Dieu, Papa, Seigneur. La force. Guéris, Seigneur, mon Dieu, Papa, Alléluia. Les nations. Alléluia. Guéris, Seigneur, mon Dieu, le peuple, les tribus, les langues. Étends ta main, Alléluia. Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce soir, que ta main touche une Alléluia. Personne. Que ta main touche, oh Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Seigneur, guéris le frère Antoine qui a mal à la tête, au ventre. Oh, qui est bloqué. Son corps pique. Nous déclarons la guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions pour notre sœur Julienne qui est malade. Là où elle est à l'hôpital, nous déclarons la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, accorde la guérison ce soir. Julienne, sois guérie. Pourvois pour sa santé, Seigneur. Pourvois pour la santé de mon frère Antoine. Nous chassons la maladie. Pourvois pour la santé de tous ceux qui sont malades. Nous chassons la maladie. Nous déclarons la guérison ce soir. La maladie. Que la maladie quitte leur corps. Nom de Jésus de Nazareth. Que la maladie quitte leur pensée. Nom de Jésus que la maladie quitte leur vie. Alléluia. La séparation avec la maladie maintenant. Le sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Le au sang nom de l'agneau, puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de l'agneau. Père, manifeste-toi. Le sang de l'agneau. Alléluia. Car par ces blessures, nous sommes guéris. Oh Jésus, alléluia. Sois guéri, toi qui es malade. Sois touché depuis la tête. Au nom de Jésus. Sois touché depuis la tête. Au nom de Jésus. Jusqu'à la plante des pieds. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le feu te touche. Au nom de Jésus. Que le feu te touche. Au nom de Jésus. Que le feu te touche. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui avais une vie bloquée. Alléluia. Une situation bloquée. Alléluia. Que cela soit débloqué maintenant. Alléluia. Que cela soit débloqué maintenant. Alléluia. Là où on t'avait rejeté, alléluia, nous brisons le rejet maintenant le nom au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous enlevons l'orgueil que tu avais. Toi qui étais devenu hautain, toi qui étais devenu méchant, toi qui étais devenu transformé, bizarre, à cause d'une souffrance, à cause d'une situation. Nous prions que notre Dieu te change. Nous prions que notre Dieu te transforme. Nous prions que notre Dieu te guérit. Toi qui souffrais de maladies mentales, au nom de Jésus. Toi qui souffrais de maladies invisibles, de maladies spirituelles, sois guéri. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que la main du Seigneur soit sur Alléluia. Toi. Que la grâce de Dieu se Alléluia. Manifeste sur ta vie. Bien-aimé, envoie ton sujet. Toi qui cherches du travail, que Dieu, t'accorde le travail. Prions pour les familles. Alléluia. Prions pour les Alléluia. Familles. Alléluia. Prions pour les familles. Alléluia. Au nom, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Papa, nous prions pour Donovan. Alléluia. Qu'il soit touché. Prions pour Donovan, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Qu'il soit touché. Qu'il soit touché par toi. Qu'il soit touché. Au nom de Jésus. Qu'il soit touché, Seigneur, papa. Tout ce qui te rend la santé de Donovan, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ta main touchée. Alléluia. Ta main touchée, 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 ta main touchée. Oh, ta main, touche. Touche-moi, Seigneur. Ta main touche. Ta main touche. Touche-moi. Ta main touche. Jésus. Ta main touche. Touche-moi. Ta main touche. Touche-moi. Ta main touche. Ta main touche, ta main touche, touche, ta main touche. Que la main du Seigneur te touche, Julien. Touche. Que la main du Seigneur te touche, Marie. Ta main touche. Que la main du Seigneur te touche. Ta main touche. Ta main touche. Ta main touche. Alléluia. 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 Lève les mains là où tu es. Alléluia. Lève les mains là où tu es. Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui était bloqué se débloque maintenant. Au nom de Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Oh, le Dieu qui est capable de faire apparaître même le sacrifice. Je crois en ce Dieu-là qui est capable de faire apparaître même l'argent. Alléluia. Je crois en ce Dieu-là qui est capable de faire apparaître le travail. Alléluia. Pendant qu'on dit que c'est impossible, c'est difficile. Je crois en ce Dieu-là qui est capable Jésus. De faire apparaître, bien-aimé, les trompes. Alléluia. Là où les trompes n'étaient plus. Jésus. Je crois en ce Dieu-là qui est capable de faire disparaître, bien-aimé,
Oh, les fibromes, qui est capable de faire disparaître les myomes, qui est capable de faire disparaître toute anémie, qui est capable de faire disparaître toute maladie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La main du Seigneur te touche. Alléluia. La main du Seigneur te touche. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, soyez tous bénis pour ce soir. C'était un peu spécial. Donc n'oubliez pas, rendez-vous demain à 22h. 22h. On sera là pour la prière via la ligne téléphonique ainsi que sur Facebook. On sera là, bien-aimés. Restez connectés, partagez, abonnez-vous. Vous qui souffrez, vous avez un sujet de prière, écrivez-nous sur notre page Temps de vrais adorateurs. Amen. Envoyez-nous vos sujets. Nous allons prier pour vous. Voilà. Soyez tous bénis ce soir. Et le groupe aussi WhatsApp. Nous avons aussi le groupe WhatsApp. Et nous avons déjà un lien que si nous pouvons vous envoyer afin que vous puissiez partager à ceux qui le souhaitent, intégrer le groupe. Donc les personnes n'auront pas besoin d'avoir une autorisation. Il suffit juste qu'ils aient le lien. Ils cliquent sur le lien directement. Ils sont intégrés dans le groupe. Alléluia. Alors vous qui avez besoin du lien du groupe WhatsApp, écrivez-nous. Écrivez-nous et nous allons vous envoyer le lien du groupe WhatsApp que vous pourrez partager à tout le monde, bien-aimé. Partage à tout le monde. Alléluia. Partage à tout le monde. Que nous soyons nombreux dans le groupe WhatsApp. Alléluia. Parce que des fois sur Facebook, quand il y a des directs ou quelque chose, la notification n'arrive pas directement à tout le monde. Mais tandis que sur WhatsApp, c'est automatique. Alléluia. Quand il y a un message, c'est automatique. Tout le monde le reçoit. Voilà, bien-aimés, nous allons commencer à passer aussi des temps dans le groupe WhatsApp. Nous avons parlé ce soir de l'intimité. Nous avons parlé ce soir de savoir faire des zones de délimitation. Alléluia. Voilà. Donc, le groupe WhatsApp aussi, c'est comme une zone de limitation, un périmètre, distanciation, bien-aimé. Alléluia. Distanciation, bien-aimé. Voilà, soyez bénis, c'était le serviteur de Dieu, Alain Piem, ainsi que le serviteur de Dieu, Henri Lumbi. Alléluia, soyez de bénis. Tant de vrais adorateurs, soyez bénis. Soyez bénis. À bientôt, soyez bye bénis. Bye. Soyez à bientôt, bénis. Que Dieu vous garde. Amen. Soyez à demain. À demain. Demain, ne pas oublier. Gloire à Dieu, Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Bye bye.